Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komona prezida na ngai Kisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komona ye yango yo ngai na kobetale maboko maboko yango yo ngai na koyembela ye yango yo tika na ebisa ye na motema na ngai yo umela prezida na ngai Umela papa Tshisekedi Umela, 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 umela papa nanga yo oh, oh, oh. Mokozida Chilombo Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Mbote Nabino Vanso. Djambrenou, Sikiza, Tchouapenzi. Voilà, chers compatriotes, c'est juste un flash informatif. Voilà, je le fais tardivement parce que ça me tient vraiment à cœur. Alors, il s'agit de la contradiction de Paul Kagame. Il a nié le génocide perpétré au Congo et tous les crimes commis par ses troupes au Congo. Mais, Abraham Lwa Kabwanga, un communicateur de la présidence, si vous voulez, un ex, il a trouvé une vieille vidéo d'il y a 5 ans, comme c'est mentionné sur son profil Facebook, qui lui avait posé une question, mais c'était en anglais. Il lui avait posé une question, il lui demandait, c'était aux États-Unis, que voilà, comment et quand comptez-vous payer pour les crimes perpétrés au Congo, plus de 5 millions de morts? Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, il dit, je ne sais pas exactement qui va payer qui. Quand il dit ça, il veut parler des FDLR qui ont, d'après lui, traverser aussi la frontière pour aller tuer au Rwanda. Voilà. C'est qu'il reconnaît lui aussi sa responsabilité quand il dit qui va payer qui. Sous-entendu, nous sommes responsables, nous avons perpétré des crimes, mais eux aussi. Alors dans ce cas, qui paye qui? C'est ça que ça veut dire. Eh bien, j'ai décidé de faire la traduction de cette partie-là, juste cette partie-là, où M. Lwa Kabwanga, un ex-directeur de la presse, d'une certaine presse à la présidence, où il pose cette question directement à Paul Kagame dans une conférence de presse. Je vais essayer de traduire ça. Voilà. Suivons, chers compatriotes. Abraham Lwa Kabwanga va parler. Une question courte. Comment et quand votre pays va payer pour avoir tué 5 millions d'hommes, le viol des femmes depuis 1996. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas qui va payer qui.
qui va payer en Rwanda pour ceux qui ont soutenu ceux qui ont commis le génocide au Rwanda et qui l'ont amené au Congo, et ceux qui ont amené les troupes du Rwanda au Congo pour payer, pour tuer le peuple. Ce débat-là serait trop long. Peut-être on laisse ça pour plus tard. Voilà. Abraham Lwakabanga va parler. Une question courte. Comment et quand votre pays va payer pour avoir tué 5 millions d'hommes, le viol des femmes depuis 1996. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas qui va payer qui. Qui va payer en Rwanda pour ceux qui ont soutenu ceux qui ont commis le génocide au Rwanda et qui l'ont amené au Congo, et ceux qui ont amené les troupes du Rwanda au Congo pour payer, pour tuer le peuple. Ce débat-là serait trop long. Peut-être on laisse ça pour plus tard. Voilà. Voilà. Bandeko Nabiso Yabolingo Abraham Lwakabanga Azali komi présenté à Pesikombo Naye Abraham Lwakabanga en anglais Alobi Azali na motuna ya mokuse. A short question. Une question courte. A Tony, président Kagame, comment et quand est-ce que votre pays va payer pour les 5 millions de morts et le viol des femmes perpétrés depuis le commencement de la guerre en 1996? Jusqu'à présent. Après, il dit merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, après, quelle est la réponse de Paul Kagame? Il dit, je ne sais pas exactement qui va payer qui, parce que ceux qui ont aidé les génocidaires à perpétrer ce génocide au Rwanda, est-ce qu'ils vont payer le Rwanda? Et ce génocide-là, les génocidaires-là qui sont partis au Congo, ils ont été suivis par des troupes qui ont perpétré aussi des massacres au Congo. Et ils ont également été aidés dans le sens inverse, les génocidaires, à traverser notre frontière et à tuer encore au Rwanda. Alors, ce débat-là, il serait très long. C'est ça qu'il dit, hein. C'est un long débat qui ne finirait pas. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça pour plus tard? Et il s'arrête là. Pour lui, on est quitte. Voilà, il se moque du génocide perpétré au Congo. Donc, il reconnaît quand même implicitement que il y a eu massacre des populations au Congo, des troupes venues
du Rwanda qui ont traversé la frontière. Voilà, des Rwandais. Ce qui veut dire que à Paris, quand il est interviewé par France 24 et Radio France Internationale, il dit que il n'y a pas eu de massacre au Congo, les troupes rwandaises n'ont rien commis au Congo, rien du tout, il nie. Là, c'est une contradiction. C'est lui qui parle là, dans cette vidéo. C'est Paul Kagame. Voilà, il s'accuse. Il y a un élément de preuve. Voilà. Qu'il attende le tribunal pénal international, il sera traduit en justice. Ben, il ne peut pas dire qu'il ignorait que ses troupes ont commis des massacres au Congo, ont commis un génocide au Congo. Voilà, chers compatriotes, c'était juste ça pour démontrer, avec l'aide de M. Lwakabwanga, qui nous a fourni une vidéo qui accuse Paul Kagame. Voilà, nous nous arrêtons par là et nous disons comme toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire sera totale. Amen. Thank you.